na collabo. Yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like tornado. She talks say how they play like Ronaldo. The thing they sweeter like Donja. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je me maquille. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas pro. Je vous fais un make-up comme je fais tous les jours. Je suis pas... Donc c'est un make-up amateur, maison pour débutants. J'ai décidé simplement de vous le montrer parce que je désire me montrer tel que je suis, tel que je fais les choses. Je vais pas inventer une façon de faire alors que c'est pas ma façon habituelle, quoi. Voilà, j'ai besoin d'être vrai avec vous et je compte sur vous pour me faire des critiques positives. Il y a eu beaucoup de loupés, je l'avoue, dont j'ai regardé 100 000 fois la vidéo, j'ai rigolé à tous les coups tellement ça me faisait rire et je me rendais compte des faux pas, je loupais ci, je... Et le fait de filmer, en fait, ça vous... un stress pas possible, quoi. Vous êtes stressé, vous dites oh il faut que je fasse bien, il faut que je fasse. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je commence donc toujours par mes sourcils. Voilà, je les trace avec le eyebrow gel que j'ai eu sur Amazon. Voilà, j'ai pas pour le moment, j'ai pas investi gros sur le make-up parce que je suis pas trop fan de make-up à outrance parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Donc j'en utilise pas tous les jours, make-up tous les jours, non. Des fois je suis juste naturelle comme ça. Et également vous allez constater que j'ai utilisé, la plupart des produits sont pas des produits super chers. Vous allez pas voir des trucs de chez Estee Lauder, de chez MAC. Oui, ah oui, j'ai un mascara MAC quand même. Yeah. Mais vous n'allez pas voir des trucs de chez Sephora, MAC, Estee Lauder, Kiko et tout, nanana, non. Je ne devais pas inventer ou faire des courses, juste acheter des trucs juste pour venir vous faire la vidéo quand même. Il faut qu'on soit raisonnable. Donc voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Donc j'essaye d'estomper mon... fond de mon corrector de chez Eligle. Ensuite les fonds de teint, j'utilise quand même du L'Oréal Paris. Donc j'ai d'abord acheté la teinte cappuccino dorée, j'y suis, et mais c'était pas ma carnation, donc c'était un peu plus clair et j'ai dû acheter ensuite du doré foncé. Donc c'est le doré foncé de chez L'Oréal Paris que j'applique là, ça match un peu plus avec ma carnation en fait. Donc voilà, je fais un peu comme ça, hein, comme toutes les filles, je regarde des vidéos sur YouTube. Et puis je me rends compte que toutes les filles qui font du make-up sur YouTube, elles sont tellement pro, quoi. Mais nous, on a également besoin des petits basiques, quoi. Des fois, c'est des trucs super pro avec des produits super chers. Voilà, donc je vous montre ce que je fais à ma source, quoi. J'ai trop rigolé. Oh là là, voilà, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Si vous remarquez des faux pas ou des choses que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, n'hésitez surtout pas à me dire. Hein. On apprend tous les jours. Voilà. Et j'ai avancé la vidéo parce qu'elle était très très longue. Donc comme je vous faisais une vidéo, donc je me suis dit je m'applique quand même un peu. Lady, pour une fois, on va être sérieuse. Donc ça a pris plus de temps que prévu et du coup j'ai été obligée de compresser tout ça. Voilà. Là, c'est l'un de mes produits les plus chers aussi, la Sacha Butter Setting Powder. Parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais j'adore cette poudre de chez ouf. Quoi. C'est un truc de fou. Ça vous rend la peau tout de suite mat, le fond de teint, ça, je sais pas comment je vais expliquer en fait. Votre peau, elle devient super lisse, quoi, d'un coup. C'est très beau le rendu, je trouve. Donc là, c'est une palette nuit de chez Marionneau. J'avais acheté ça à Paris en passant.
Voilà, donc je vais utiliser ça pour faire ma transition. Et mais la vidéo vous faire croire que j'appuie, mais non, j'appuie pas. Il faut pas du tout appuyer. Hein. La transition, c'est très légèrement. Vous floutez juste comme ça. Vous caressez en fait. C'est ce que je fais. Voilà. Mais j'ai l'impression que je tiens pas bien le pinceau en fait. À me revoir, j'ai l'impression que je tiens pas bien le pinceau. Mais bon. Je sais pas. Et puis, j'avais pas très bien réglé ma caméra. Donc, elle est un peu floue. Du coup, quand je me rapproche, c'est plus flou. Je sais pas, à un moment donné, c'est un peu plus flou que prévu. Donc, je vais régler tout ça pour vous faire des make-up avec mon visage plaqué devant la caméra. Voilà. Donc là, je remets mon Ellie Girl Pro Concealer Corrector pour pouvoir appliquer. Pour le moment, j'ai pas de base de fard à paupières. J'en ai pas. Mais quand j'aurai un peu de sous, je vais en commander. Pourquoi pas. Mais pour le moment, j'en ai pas. Donc, j'utilise ma Ellie Girl. Et puis, je fixe tout ça avec le Sacha Buttercup Powder. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer donc... Là, j'ai une palette qui m'a coûté aussi un peu cher. Je ne me rappelle plus le nom, du coup. Mais je vous ai laissé tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Il y en a plusieurs que j'ai achetés comme ça, hein, en passant au black, entre guillemets. Parce que je ne sais plus où j'avais acheté, les boutiques n'ont pas de nom. Donc, il y a plein de... Il y a 3 à 4 produits dont je ne retrouve pas le nom, en fait. Donc, je ne sais pas. Je les ai notés juste comme ça. Hein, mais la plupart... Je les ai eus sur Amazon, sur des sites de chez MAC, de chez... Voilà, voilà. J'aime bien la teinte bleue comme ça. Et puis je dansais. Et puis vous estompez le tout après pour que ça fasse pas des démarcations en fait. Donc j'essaie toujours d'estomper. Toujours très légèrement, vous n'appuyez pas le pinceau. Les pinceaux, je les ai eus sur Amazon pour pas cher. Oh, je vais vous mettre des pinceaux également en commentaire. Je les ai eus pour pas cher sur Amazon. Voilà. Donc les pinceaux, tout le monde peut en avoir. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinceaux de chez Picot, de chez Sephora, de chez machin, je sais plus trop. Chez chacun à son niveau. Vous mettez votre sac où vous pouvez arriver, les filles. Voilà. Il faut rester vous-même dans tous les cas. Là, c'est un mascara de chez MAC. C'est un cadeau. Donc, parce que c'est assez cher. Hein. Je crois que c'est avoisiné les 40 euros. Mais c'est un cadeau. Ça, c'était pas de moi. Voilà. Puis, je trace mon trait de eyeliner. Toujours avec le eyebrow gel. Et puis avec le crayon jaune, je retrace le noir sur mes sourcils. Là, je vais dessiner les courbes de mes lèvres. Il est indiqué de mettre un gloss, du labello ou quelque chose pour protéger vos lèvres. Surtout avec ces rouges à lèvres dont je connais même plus les maisons de fabrication. Hein, bon, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce qu'elle est mate. Donc, c'est pas mal. Et puis je vais mettre ce gloss par-dessus, juste au milieu de mes lèvres pour avoir cet effet de brillance en fait. Voilà. Puis des appels et tout, voilà. Et puis je vais mettre, je vais faire mon contouring. Je vous ai mis, j'ai oublié de vous montrer en fait. Donc voilà, ah oui, ça y est. Donc je fais le contouring avec ça. Voilà, je me mets un peu de blush, j'aime bien. Ensuite, je mets mon highlighter. Il est en barre d'infos également, ce highlighter. Mmh.
je pose mes fossiles. Et je termine par The Fix Face Spray. Donc c'est pour fixer tout ça, c'est très important parce qu'après, ça vous donne une belle allure, quoi. La peau, tout se mélange en fait, et puis après ça ressèche ensemble. Le rendu est vraiment très joli. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, je fais mon intéressante. Faites pas gaffe, quoi. Je fais ma toute belle. Donc laissez-moi vos commentaires. C'est un petit moment de détente. J'espère que ça vous a plu. Pour changer un peu quand même. C'est quand même Lady Beauty. Voilà. On va aussi mettre en exergue cet aspect de ma personnalité. Hein. Et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie des rafales, mais alors des rafales de bisous. Je vous aime trop. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore. Vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parce qu'on a beaucoup de choses qui nous attendent. Ciao, ciao, plein de bisous. I want you to breathe all this in.